Oh ma poupette. Tu viens? Va manger? Dimanche 9 juin et aujourd'hui je vlog. Yay! S'il y a du vent dans les cheveux, c'est normal, c'est la clim. Parce qu'il fait chaud, donc on a la clim. Aujourd'hui, programme de la journée, c'est un gros brunch en fait qui s'est décidé à la dernière minute hier soir avec Franck et Flora, que vous connaissez du coup à force. Et c'est journée no make-up. Alors, no make-up, j'ai quand même du mascara et j'ai le rouge à lèvres de Marie sur les lèvres parce que j'aime vraiment beaucoup la couleur, mais j'ai pas de fond de teint ou quoi. Vous pouvez voir que j'ai un petit peu, genre j'ai un bouton là, les Darman, et puis j'en ai juste un tout petit peu ici, mais franchement ma peau s'est tellement améliorée, c'est oufissime, je suis trop contente. Là il faut que j'aille faire des pancakes, parce que bah, si je les fais pas, personne ne les fera. Donc il faut que je fasse des pancakes, c'est parti. Quand tes potes sont tous youtubeurs, blogueurs quoi, et instagrammeurs, bah voilà, ça fait que tu prépares un brunch et que tout le monde le prend en photo. Ça fait qu'on a l'air tous très ridicules. Voilà. Je sais pas, comme si ça donnait faim. Tu vois, ça donne envie de le bouffer, mais non, non, ils prennent des photos. Bon, c'est censé être une journée sans make-up aujourd'hui et au final j'ai dû faire des photos pour le blog parce que je vais faire un article de blog. Wouhou! On apprécie. Et du coup c'est atelier blog aujourd'hui parce qu'il y a Flora aussi qui fait son article. Productivité. Voilà, du coup là je viens de faire des photos et voilà. Du coup il faut que je rédige l'article maintenant. Et Grégoire va jouer à... Tu joues à quoi? Battleground. Ah oui, je joue à Battleground avec Franck. Donc du coup, ben, c'est parti, rédaction d'article, on y croit. Salut à tous, je voulais aussi vous dire que dans la prochaine vidéo, pas celle-là parce que j'ai pas eu le temps et j'aurai pas le temps de le faire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un jeu, ça s'appelle Planet Coaster. Vous avez peut-être dû voir des let's play déjà sur internet. C'est en gros un jeu où il faut créer son parc d'attractions, mais ça va beaucoup plus loin que Theme Park World par exemple pour ceux qui connaissaient. Je crois que c'est les mêmes développeurs, je suis pas sûr. Et on peut faire énormément de choses et je sais que bah, y a pas mal de gens qui aiment bien gérer avec Zoo Tycoon, avec, Theme Park World, tout ça, des parcs d'attractions ou des parcs à thème. Et c'est vraiment stylé, vraiment. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo ou une des prochaines si ça vous intéresse. J'ai continué de travailler sur le blog pendant que Grégoire et Franck sont en train de jouer à Battlefront. On entend rigoler depuis tout à l'heure. Flora essaye de faire ses photos pour son blog. C'est pas facile tout ça. Bon, j'ai fini de rédiger mon article. Du coup, ben, vous avez sûrement déjà vu. Donc, c'est un article sur le rouge à lèvres de Marie en fait. Donc, le Marie, tout simplement. Donc, il y a des photos, des swatchs, etc. Donc, ben, n'hésitez pas à les lire. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et Flora vient de me parler d'un truc qui s'appelle Wanted. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un, je sais pas, c'est un espèce de plugin en fait, ouais. qui s'installe sur Chrome, une extension, voilà, c'est ça que je cherchais, une extension qui s'installe sur Chrome. Et en fait quand vous allez quelque part sur un site, bah tiens là on est sur l'histoire, mais je pense que ça va marcher. Et il faut mettre dans le panier. Oui. Allez, on va chercher une robe. Allez, celle-là elle est jolie. Allez. Ok. Vous voyez, là il s'est mis en rouge. Je sais pas si on verra. Là il s'est mis en rouge. Il y a 24 codes promo. Voilà, donc j'ai 24 codes promo. Testez les codes.
Ah, il faut un compte client avant de lancer le test. Bon bref, en gros ça marche comme ça, ça vous met des codes promo et vous choisissez celui qui est le plus rentable, je suppose. C'est pas mal. Ah bah sur Boo, ils me testent les codes. Ah ouais, des fois ils sont pas valides. Mais il va continuer à chercher. Donc il continue de chercher, ouais, d'accord. Jusqu'à temps qu'il y en ait un de valide en fait. C'est ça. Enfin, et s'il trouve mieux, il continue quand même. En fait, il s'arrête quand t'as le meilleur ou pas parce que... Oui. Enfin, s'il dit qu'il en a 24, il va jusqu'au 24. Il les teste tous. D'accord, mais après, comment tu sais lequel tu mets alors? Mais c'est lui, il va te dire, vous pouvez économiser tant avec Wanted, est-ce que vous voulez appliquer le code? Et toi, tu dis oui. Et là, il l'applique, enfin, il le met dans ton panier, quoi. Ah ouais. 8 euros de moins, là. Ouais. Wanted vous a permis d'économiser 8 euros. Et du coup, je fais appliquer le code. Et voilà, 7,50. Mais c'est trop bien, ça! Il est actuellement 8h-10 et avec Franck et Flora, comme à notre habitude, on a décidé d'aller manger un truc ou de se faire livrer un truc. Mais on ne pouvait pas se faire livrer parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on voulait sur Deliveroo. Du coup, on est obligé d'aller chercher à emporter. Donc, je me suis changée. Je me suis mise en jean et petites chaussures et t-shirt basique. Parce que j'étais vraiment en habit du dimanche en mode voilà. Et mes cheveux, ils ont grave bouclé là, ondulés. Bref, voilà. Et donc on est parti pour des sushis. Il y en a qui veulent faire un petit bac. Et sinon Grégoire veut montrer Life is Strange à Franck. Donc je vous montrerai un petit peu le jeu. On a Mour. Elle est trop excitée cette chatte. Et voilà, on va arriver à Yumi. On est sur les quais de Bordeaux. Et c'est la première fois que je vlog vraiment en ville. Et ça fait bizarre avec le selfie stick. Rose en plus. Bah ouais, en plus c'est vachement discret quoi. Les voitures elles vont me regarder en mode c'est qui cette meuf? C'est pour pourquoi? Il faut attendre. Il faut attendre que ce soit prêt. Et là on a un débat sur le feu, parce que moi je trouve qu'il fait froid et eux ils trouvent que non, il fait bon. C'est une question de genre de toute façon, les filles ont froid, les mecs ont chaud. Voilà, petit plaisir personnel. Et du coup, j'ai pas compris. Et du coup, voilà, on se promène un petit peu sur les quais. Moi je trouve qu'il fait frais. J'aurais dû prendre une veste. Mais c'est sympa. Il y a une Porsche. Il y a une Porsche. Du coup, les garçons ne se sentent plus. Voilà. Comme d'habitude. Et il y a un skatepark juste derrière. Donc là, on est quai des Chartrons. Je sais pas si vous connaissez, si vous habitez Bordeaux. Voilà. Bon, bah écoutez, on se promène. Ça c'est à moi. Alors sushi, California, saumon avocat, maki avocat. Et en plus j'ai 6 petits salmon. Ok. 6 petits salmon rolls comme ça. Ils sont là. Et une salade de choux, du riz. J'ai une soupe aussi je crois. Oui parce que celle de Grégoire là, je la prends. La soupe de celle-là. Et voilà. Bon app. Et moi j'ai ça. Un shirashi. Avec ça. Et ça. Et ce que, Agathe ne mangera et pas. Et du riz en plus. Mais ce que je mangerai pas. Ouais. Alors dans le vlog d'aujourd'hui en fait je voulais vous parler de la chaîne de Megan qui s'appelle aussi, enfin qui s'appelle Méga Social du coup. Donc Megan elle est sur YouTube depuis très longtemps. Elle a quasiment commencé un tout petit peu après moi il me semble, je suis pas très sûre donc je vais vérifier. Je crois que ses toutes premières vidéos sont pas forcément en ligne. Mais là voilà, il y a au moins 4 ans quoi, donc c'est quand même voilà. Et je pense que c'est même pas sa plus vieille vidéo, je suis pas sûre. Voilà, donc autant vous dire que c'est vraiment qu'elle est là. En ce moment, Megan a posté pas mal de vlogs en fait, super intéressants, notamment sur les studios Harry Potter. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, eh ben, ils sont vraiment super sympas. Bon, en fait je dis ça, mais je vous avoue, je les ai pas regardés parce que comme j'ai envie d'y aller et de me réserver la surprise, en fait je regarde aucun vlog sur les studios Harry Potter parce que, enfin, pour moi c'est un rêve plus facilement réalisable que d'aller à Orlando en Floride au parc Harry Potter. Du coup, tout ce qui concerne les studios, en fait, je regarde pas. Mais sinon, tout le reste de ses vidéos sont super sympas. Elle fait des vidéos un peu lifestyle en fait. Elle fait un peu de tout. Elle fait de la beauté, de la mode, du lifestyle, des blogs. Je les veux, ces chaussures, elles sont trop belles. Enfin voilà, elle fait beaucoup de choses. Elle parle de tous les sujets.
Et voilà, donc si ça vous intéresse d'aller voir sa chaîne, c'est méga social. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Et Franck, il a fait un concept trop sympa sur Instagram. Vas-y, raconte. J'ai essayé de faire. C'est un format de story Instagram que j'avais encore jamais vu. Donc si vous voulez aller sur mon Instagram pour me dire ce que vous en pensez. C'est original, on va dire. J'ai essayé. Et ton Instagram, c'est quoi? C'est Franck-du-bas-geek, etc. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est une story trop sympa. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Donc voilà, merci Franck. Merci Aga. Et là, on regarde X-Men, le commencement. C'est ça, le commencement, ça? Ouais, first class. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on fait. C'est cool, hein. Soirée posée. Et puis, même Ivy, elle est posée. Ivy? Ivy? J'adore la capacité des chats à t'ignorer royalement quand tu les appelles, quoi. Ivy! Voilà comment on fait nos soirées avec Franck et Flora. On joue au petit bac. Et je vous assure que c'est pas une blague en plus. Et Franck? Winner! Pour la première fois de sa vie, ma vie de quoi? Ma vie de voisin de toi, oui. Grégoire est deuxième et moi je suis troisième et Flora a perdu. J'ai perdu à un point. Ouais, mais t'as perdu un point. Peu importe le nombre de points, on retient pas les secondes. Ouais, c'est ça. Enfin, t'as souvent été derrière moi quand même. Non, pas les couilles. C'est sûr que j'ai gagné. Et encore une super journée qui s'achève avec Franck et Flora. On les quitte jamais en fait, on se rend compte. Si on déménage, on va devoir déménager dans le même immeuble qu'eux, hein. C'est pas possible. C'est trop compliqué. N'oubliez pas que si vous voulez gagner des gels Merci Andy, vous pouvez participer sous ma dernière vidéo. Je mets le lien dans la barre d'infos. C'est fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on va aller se coucher. Il est quelle heure? 23h30? Ouais, on va se coucher. Ouais. Toi peut-être pas, mais moi je vais me coucher. Grégoire, il va jouer à Planet Coaster. Ok. Tu vas jouer à Planet Coaster? Oui. Ok, c'est ça. Il vous parlera du jeu dans un prochain vlog. Et voilà, on espère que cela vous a plu. Et on va se coucher. On ne peut plus.